Musa Lakuna. Papa, où t'allais?
Bon, la cérémonie commence, hein. C'est la fille du prophète Sanier Raphaël. Donc elle est là, maman Mélanie Sanier. Là, c'est la famille du prophète Sanier. Bon, la manifestation commence déjà. Là, c'est l'entrée des autorités, des officiels qui commence. Et maintenant, nous partons pour prendre le manif. Là, c'est leur entrée. Comme vous allez le remarquer, vous me laissez des commentaires, des messages dans les commentaires. Je vais lire, il ne faut pas m'appeler. Je suis en direct, il ne faut pas m'appeler. Thank you.
Ça, c'est la fanfare de la FRDC. Ça, c'est la cérémonie officielle et solennelle à titre posthume du prophète Raphaël Sanière. S'il vous plaît. La cérémonie a déjà commencé. Excellences, messieurs les chanceliers des ordres nationaux, mon général, honorables députés nationaux et provinciaux, distingués membres de famille, voici le programme de la cérémonie de cet après-midi. Nous allons commencer par l'entrée du porte d'honneur, suivra l'hymne national. En troisième lieu, nous lirons la décision portant nomination de la décision de nomination par les conseillers administratifs de son excellence monsieur le chancelier des ordres nationaux. Puis suivra la décoration proprement dite. En cinquième lieu, il y aura les témoignages du professeur Isidore Laïwen, suivra l'hymne national, et après ça sera le retrait du cordon d'honneur, et enfin ça sera la photo des familles. Sans plus tarder, nous passons à l'exécution du programme. Cordon d'honneur en place. Thank you.
hymne national. Par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 83. Vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012/2003, 30 mars 2003, la loi numéro 009/2002, 5 août 2002, portant création de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7, alinéa 1er. Vu le décret numéro 051/2003, 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7, alinéa 1er, 2 et 5. Vu l'ordonnance numéro 66/331 du 24 mai 1966 portant création de la médaille du mérite civil telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72/067 du 21 février 1972 et 77/020 du 21 février 1977 spécialement ces articles premiers 4 et 5. Vu l'ordonnance numéro 20/077
du 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu les dossiers tels qu'inscrits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par l'honorable député national Moukassa Lukobo Dédé, considérant le mérite de l'intéressé remarqué à travers les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise en qualité de chef spirituel et fondateur des mouvements politico-religieux Nzambi Malembe, né dans la foulée des mouvements messianiques des années 1930, dont le message salvateur qui a permis à sa secte de survivre jusqu'à ce jour a impacté positivement ses contemporains, principalement les communautés du territoire du Diofa en général et celles du secteur de Kabia en particulier. Considérant son engagement dans la lutte anticoloniale, qui a non seulement coûté la vie à des centaines de ses adeptes, mais aussi plusieurs emprisonnements à sa personne, dont celui ayant occasionné sa mort le 17 mai 1964 à la prison centrale de Makala. Soucié de récompenser à titre posthume le sens élevé du sacrifice et du patriotisme de ses lignes fils du pays, pour avoir écrit son nom en lettres d'or sur la liste des martyrs de l'indépendance, sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée, à titre posthume, au prophète Sanien Raphaël. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et le directeur du cabinet du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 9 novembre 2020, le chancelier des ordres nationaux, Matutezuwa Ramasokwa André, général-major. À présent, nous invitons Son Excellence, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, pour la décoration effective. Prophète Sanié Raphaël, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons à titre posthume la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise.
Et monsieur le gouverneur du Puy. Monsieur le chancelier des ordres nationaux, mon général, monsieur le gouverneur de la province de Guilou, honorable député, nationaux et provinciaux, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, un honneur pour l'historien que je suis d'être témoin de cet événement, un événement grandiose, plein de couleurs, devant la grande aristocratie coutumière de la région, la grande aristocratie religieuse. En fait, cette cérémonie nous situe en réalité dans la longue histoire de résistance des populations congolaises à l'occupation coloniale. Une histoire qui devait continuer à être explorée et exploitée par les générations montantes afin que celles-ci en tirent des leçons face aux défis de notre temps. En effet, face aux méfaits et aux excès de la colonisation, les Congolais avaient opposé deux modes de résistance. Il s'agissait d'une part des révoltes des populations et d'autre part de l'enseignement contestataire des mouvements religieux jugés subversifs par le pouvoir colonial. C'est donc pour punir les révoltés et les leaders messianiques que le régime colonial avait instauré des prisons spéciales en plus du régime pénitentiaire classique. Ces prisons politiques étaient des formes d'exil avec femmes et enfants dans des camps de relégation appelés en abrégé
des CAP, c'est-à-dire des centres d'abandon ou relégués dangereux. On ne parlera pas ici du traitement infligé aux adeptes de révolte. Signalons toutefois un cas lié à cette région du nord du territoire d'Idiot. À cause du poids des corvées et autres travaux d'imposition, il y eut soulèvement de la population. Le chef médaillé en charge d'appliquer ces mesures coercitives fut assassiné en 1922. Il s'appelait Benoît Mabéra. À la suite de cet incident malheureux, la répression fut sanglante dans toute la région. Le chef du village de Véquet, où ce forfait avait eu lieu, fut arrêté et transféré dans le centre d'amendement pour reléguer dangereux à Auschwitz. À l'époque, le jeune Alaver a la vingtaine d'âge. Avait-il pris conscience que ces populations riveraines du Kassai, du Bas-Kassai, venaient de se signaler à l'autorité coloniale comme étant des populations belliqueuses et insoumises, comme l'attestent les rapports de la sûreté coloniale? Eh bien, il allait en être victime à son tour. Signalons que cette contrée faisait partie du territoire des Kamchalougoué, créé en 1913 comme subdivision du district du Kassai, territoire qui en 1932 sera intégré au district du Gwango pour devenir trois ans plus tard le territoire du Diofa. À la création des secteurs, pour éviter d'ailleurs d'autres ennuis, les Bangolis orientaux qui dépendaient exclusivement de leur chef à Koriyama furent subdivisés en deux. Un groupe fit partie du secteur Kapia, un autre du secteur Bourdon. L'action de Sanir à la guerre allait s'inscrire dans le cadre de la lutte messianique. Au début du XXe siècle, il existait déjà au Congo une extraordinaire floraison de mouvements religieux, à peu près comme de nos jours. Des mouvements religieux nés sous forme de symbiose dynamique entre les cultures du pays et les données du christianisme naissant. De ces nombreux mouvements, les plus en vue, évidemment, allaient se signaler le kibanguisme et le kitawala. Mais en réalité, ils furent bien plus nombreux, tous à la base du surgissement des prophètes qui combattaient la sorcellerie, guérissaient les malades, encadraient les populations et annonçaient la fin du règne des blancs. L'histoire véritable de Raphaël Alaver-Sanière reste encore à écrire en détail, malgré les premières ébauches déjà disponibles. Rien que son nom est déjà un mystère. Mais voici quelques points de repère de sa vie. Il est né entre 1898 et 1900, des parents protestants, qui fréquentait la mission du Yémen, non loin de Chémé. Il fut de manière incontestable un enfant à la fois très pieux et très doué, prêt à intérioriser les données de la modernité ambiante. On sait qu'il séjourna avec les siens à Port-Franqui, il est beau, dans cette région où proliféraient déjà plusieurs mouvements religieux, notamment celui des apostolos ou des Lukoshi. Mais il eut probablement aussi des contacts avec les adeptes du kibanguisme
relégué à la prison de Yokohama Bosho. Car à partir du poste de Yungi, la circulation était si fréquente avec Oshue, capitale de ce territoire, la province du lac de Porto. En tout cas, Nyan Nyan, le chef norvégé qui avait été relégué dans cette prison, atteste y avoir rencontré des adeptes du kibanguisme. Dans la région de Mangaï, Alain s'illustra très tôt par son enseignement et ses exercices de délivrance de la prise de la sorcellerie. Son mouvement, qui au départ s'appelait Zamimalem, se réclamait du Saint-Esprit, du Père, qui, une fois évoqué, s'exprimait par des trans et par la glossolalie, ce qu'on appelle couramment le parler en langue. Le centre du mouvement était le village des Sémé, la Jérusalem de cette église, qui avait des connexions évidentes avec ce qui s'est passé au Kassai, où les adeptes étaient qualifiés de Benanzami Wamalem. Tout cela ne fut pas pour plaire à l'administration coloniale. À la suite de nombreuses tracasseries, l'agent territorial Yvan Rapp procéda à son arrestation en 1952. Il fut alors relégué à Kasongolunda, autre camp de relégation, et ne retrouva sa liberté qu'en 1959, dans le cadre de la Légion générale des mesures coercitives coloniales. C'est ainsi qu'il fut de retour dans la région de Manga. Contrairement à son aîné Simon Kimbangu, Alavert a donc eu la chance de survivre au régime de répression coloniale. Mais un dernier incident allait intervenir au cours des premières années de la décolonisation. Alors que son mouvement prenait son véritable envol, il fut à nouveau l'objet de restrictions au motif d'être réfractaire aux injonctions de l'administration. Les adeptes du mouvement s'étaient en effet permis peu avant de molester quelques policiers. À la suite de cette bavure, le nouvel administrateur du territoire d'Idiofa prit l'option étonnamment radicale d'interdire le culte des Chémés. Il dépêcha un peloton militaire sur les lieux pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure qui, naturellement, ne fut pas respectée. Le 5 avril 1962, une foule nombreuse s'y regroupa pour la prière. Les militaires incendièrent l'église et tirèrent sur les fuyards. Il y eut des centaines de victimes. On dénombra 180 corps calcinés. Le prophète fut à nouveau arrêté, transféré, condamné à Kinshasa. Il s'éteignit le 17 mai 1964. L'église d'Alavert, enfin reconnue par l'État, a connu depuis lors, comme nous le constatons, une expansion fulgurante. La grande mobilisation de ce jour en est une parfaite illustration. Évoquer la mémoire de Sanier Alavert, c'est naturellement lui rendre hommage, célébrer son élévation en tant que patrimoine national. C'est surtout l'opportunité de célébrer, à travers lui, les multiples acteurs de la résistance messianique effacée de la mémoire collective qui ont défié le pouvoir colonial, comme d'ailleurs Simone Padi de l'église noire au Congo, ou la prophétesse Marine Koye chez les Ekonda et tant d'autres encore. Il nous faut cultiver la mémoire, car la mémoire, c'est l'avenir du passé. Or,
rien n'est plus important que l'avenir. Car seul l'avenir est à venir. Merci donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'y avoir pensé et d'avoir accordé cette distinction honorifique. Merci. Merci au général chancelier des ordres nationaux d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie dans un cadre si grandiose. Merci aussi et surtout à l'honorable Dédé Mopassa d'avoir pris cette belle initiative. Je disais honorable Dédé Mopassa d'avoir pris cette belle initiative qui permet d'exhumer du passé une mémoire aussi prestigieuse que celle de cet acteur historique qu'est Raphaël Samuel Alamé. Je vous remercie. Hymne national. Monsieur, quant à vous. Retrait du cordon d'honneur. Monsieur, garde à vous.
droit alignement. Bon, la cérémonie vient de terminer. La cérémonie vient de terminer. Cordon d'honneur, un lévite. On clôture la main. À gauche, à droite. Notre manifestation se clôture déjà. Lévite. Pas d'ordinaire. En avant. Main. C'est la séance clôturée. Maintenant, nous partons là où on est en train d'interviewer le gouverneur de la province de Kikwe. Je vous invite à faire partie de la photo des familles. C'est le gouverneur de la province du Kwelu. Voilà, il a un discours pour une photo des familles. Nous invitons les enfants du prophète pour la photo des familles. Thank you.
Mais on a RTNC, vous en avez.